Savez-vous planter des choux, reconnaître un vrai potager, apercevoir un clapier avec des lapins ou encore compter des nains de jardin? Autant d'expériences inédites à partager à l'occasion de l'exposition « Tous au potager » sur les jardins de Normandie. Dans un coin, une petite marchande de légumes mène l'enquête. Il y a du riz fifi dans son potager. Monsieur Gingembre vient d'être blessé. Le but initial, c'est vraiment de pouvoir présenter les légumes frais, qui sentent bon, pas très bon, qui sont doux, frais, etc. Une découverte sensorielle des légumes pour les tout-petits. 2-3 ans étant un âge un peu difficile sur l'alimentation pour les tout-petits, ils refusent un petit peu les aventures gustatives. Le but de l'opération ici, c'est qu'ils puissent de nouveau voir les légumes de façon un petit peu plus ludique. Mesdames et messieurs, je vous présente la carotte, des radis, il y a la salade, des pommes, le poivron, du persil, le petit rond. Pour tout savoir sur le potager et découvrir ce parcours labyrinthe, rendez-vous jusqu'au 21 avril à l'hôtel du département à Rouen pour une exposition gratuite et ludique. Le mot de la fin est heureusement surprenant et rassurant. Les bonbons, c'est mauvais pour la santé.